La visite à Paris du président tunisien Ben Ali, une visite d'État qui a commencé par une rencontre et un dîner avec le président Chirac. Parmi les dossiers abordés, celui des droits de l'homme. Isabelle Sabourot, Victor Harish. Accueilli en grande pompe, le président Ben Ali a connu aujourd'hui les honneurs du palais présidentiel. Il s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec Jacques Chirac, le président tunisien, rappelant à la France, son premier partenaire commercial, combien son aide lui était précieuse. Un appel entendu, les deux pays ont signé un accord cadre pour renforcer leur partenariat économique et financier. Nous enregistrons avec une grande satisfaction la volonté commune d'instaurer un partenaire moderne. Satisfait, le président Ben Ali n'est pourtant pas échappé au sujet douloureux des droits de l'homme. Lors du dîner très officiel donné en son honneur, Jacques Chirac a salué la réussite exemplaire de la Tunisie. Mais il a aussi rappelé combien la France était attachée à l'état de droit, à la démocratie et à la disparition de la violence. Un point sur lequel la Tunisie est épinglée par Amnesty International. L'organisation rappelle que le régime du président Ben Ali est loin d'être un modèle de démocratie. La répression s'étend et plus de 2000 opposants sont toujours détenus en prison. On oublie que depuis 1990, ce sont des dizaines de personnes qui sont mortes en détention à la suite de tortures et de mauvais traitements. Et puis les procès inéquitables, des parodies de procès. Bref, la situation qui est totalement différente de ce qu'on imagine à l'heure actuelle en Tunisie. Critique également des opposants tunisiens. Ils étaient une cinquantaine cet après-midi rassemblés place de la Bastille pour demander une amnistie générale.